Au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu, au nom de Jésus, je mets sur ton cou. Si tu ne parles pas, je traite ta tête. Parle au nom de Jésus. 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 Je n'ai pas ton temps tel. Père, parle au nom de Jésus. Maintenant le feu sur toi. 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 Le feu, 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 qu'est-ce que tu as pris? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as pris dans sa vie? Tu as pris quoi encore? Tu as pris l'obéissance. Tu as pris quoi? Et puis quoi encore? L'assiduité. L'assiduité. Au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu as pris? La méditation. Tu as volé sa méditation. Tu as volé sa méditation. Qu'est-ce que tu as pris encore? Et puis quoi encore? La prière. La prière. Tu as volé sa prière. Tu as volé sa prière. Et tu as volé quoi encore? Sa détermination. Sa détermination. Maintenant, tu es avec qui? Vous êtes combien? Tout le monde. Vous êtes combien? Donne ton nom. Donne le nom. Vous êtes combien? Quatre. Quels sont les? Donne le nom des autres. Des trois autres. Donne le nom de Jésus. Donne le nom de Jésus. Donne le nom de Jésus. La sirène des eaux. La sirène des eaux. Vous êtes deux. La colère, esprit de colère, esprit des eaux. Et puis qui encore? Et puis qui encore? Dragon. Et puis qui encore? C'est lui qui est maintenant du monde. Et puis qui encore? Lucifer. Vous êtes quatre. Vous êtes quatre. Dans son corps. Maintenant, vous allez sortir au nom de vous Jésus. Vous allez sortir au nom de qu'est-ce Jésus. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans sa vie, vous quatre? Quelle est votre mission particulièrement? Quelle est votre mission? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Je saisis le Père à double tranchant et je casse ta tête, 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 je casse ta couronne, au nom de Jésus, je casse ta couronne au nom de Jésus, parle au nom de Jésus,
Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ta vie, dans sa vie? Le ramener. Le ramener où? À l'islam. Jamais. Jamais il ne peut pas retourner. Jamais dans l'islam. Il a confessé Jésus. Il va la jamais dans l'islam. La Bible dit, tout le monde confesse le nom de Jésus. Et tout genou. Il est pas venu de se préparer pour la guerre. Quelle guerre? Mais il ne s'est pas préparé. Quelle guerre? Il joue avec sa vie. Quelle guerre? Il joue avec sa vie. Maintenant c'est la fin de votre règne. C'est la fin de votre règne. Vous allez sortir. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors maintenant même, il a invoqué le nom du Seigneur. Et vous allez sortir au nom de Jésus. Allez sortir au nom de Jésus. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Allez. Au nom de Jésus. Je te casse la tête. 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 Je te casse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saisis le père tout ton sang dans ton dos. Au nom de Jésus. Casse ton cœur. Je pique le 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 cœur. Au nom de Jésus. Maintenant, je suis bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Le Père sur ta gauche, sortez au nom de Jésus. Lucifer sort. Esprit de dragon sort. Esprit de colère sort. Sirène des eaux, toi qui as marié sa vie. Qui t'a envoyé dans sa vie, sirène des eaux? C'est femme de nuit. Femme de nuit. Tu couches avec lui. Vous avez combien d'enfants? Combien? Sept enfants. Sept enfants. C'est trop. Et donne le nom des sept. Donne le nom. Combien? Parle fort au nom de Jésus. Parle fort. Guéris ça. Et puis qui encore? Nourishé. Et puis qui encore? Romanassa. Et puis qui? Quoi? Parle. Dis quoi? Nokishimerao. Et puis qui encore? Kore Sarana. Kore quoi? Kore Sarana. Et puis quoi encore? Qui? C'est qui? Et puis quoi encore, c'est fini? Maintenant, vous parlez en langue aussi? Vous parlez en langue? Vous parlez en langue? Parle un peu, on va voir. Parle un peu, si vous parlez en langue, parle un peu, on va voir. Jésus! Parle un peu, on va voir. C'est sérieux, hein? Je sais. Parle. Il était là-bas, mais il sentait ça. Mais c'est là qu'on parle dans les églises, là, tu es en train de parler? C'est vous qui envoyez ça? Parle au nom de Jésus! Maintenant, allez. Comment vous faites pour détruire la jeunesse? Comment vous faites pour détruire la jeunesse? Impudicité. Et puis quoi encore? Distraction. Comment vous arrivez à distraire quelqu'un? Télévision. C'est par la télévision que vous passez pour distraire. Les réseaux sociaux. Maintenant. Le WhatsApp. Maintenant, tu vas parler au nom de Jésus. Dans les autres églises, c'est vous qui vous manifestez là-bas? Ou bien c'est Jésus? Parle au nom de Jésus. Je te demande de parler au nom de Jésus. La Bible dit tout le monde confesse. Allez, confesse au nom de Jésus. C'est vous qui vous manifestez là-bas. Parle au nom de Jésus. Vous êtes des voyous. Comment vous faites depuis on ne sait pas que c'est vous? Trop facile. Allez, donne tes secrets. Et vous rentrez par là. Alors, comment vous faites? Quels sont ces éléments-là? Il faut citer un peu, on va voir. Il y a l'onction diabolique. L'onction diabolique. Oui. L'onction diabolique. Mais quels sont ces éléments qui vous attirent? Parce que ce n'est pas tous ces serviteurs qui sont là-bas qui ont signé Pâques avec Lucifer que tu es. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui est dans l'église qui vous attire? Les bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles. Mm-hmm. L'orgueil. Maintenant, les serviteurs de Dieu, comment vous faites pour les détruire, pour les avoir? Comment vous faites? Parle au nom de Jésus. Passant par l'orgueil. Passant par l'orgueil que vous fumez. Maintenant, les églises
dites dépouillés qui ne sont pas dans la boucle d'oreille, dans les mèches, dans les maquillages. Comment vous faites et puis il ne peut pas être sauvé, libéré totalement. Il manque de persévérance. Et les serviteurs de Dieu qui sont dans ces églises-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les affaiblissez. Comment? Parle fort. Par les enfants. Par les enfants. Comment? Parle au nom de Jésus. Vous affaiblissez par les enfants. Parle au nom de Jésus. Comment? Comment vous faites? Vos stratégies? Le contraire de la parole de Dieu. Alors, vous les affaiblissez à cause de ça. D'accord. Vous avez des questions? Au nom de Jésus, maintenant, libère sa vie. Libère sa vie. Maintenant. Est-ce qu'il a fait restitution? Il n'a pas encore fait restitution. Qu'est-ce que tu as pris? Vous avez pris encore dans sa vie, à part les enfants que vous avez eus. Vous avez pris quoi? Son étoile? Sa bénédiction. Et puis quoi encore? Son travail. Et puis quoi encore? Son mariage. Et puis quoi encore? Sa destinée. Ça veut dire que vous avez tout pris. Tout pris, ça veut dire tout volé. Rien que pour qu'il retourne dans l'islam. Pour que vous le conduisiez en enfer. Mais dis-moi, le Kia dit que si tu mets dans le Kia, tu vas atterrir au paradis. C'est vrai? Parle. Dans l'islam, si tu mets dans le Kia, tu vas atterrir au paradis. C'est vrai? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. De l'enfer. Maintenant, qui a envoyé Mahomet? C'est toi, Lucifer, qui l'a envoyé. Bon, une question. L'islam sauve ou ça ne sauve pas? Parle fort. Hein. L'islam, ça sauve ou ça ne sauve pas? Parle fort qu'on entende. Ça sauve pour ceux qui veulent que ça sauve. Donc, en un mot, ça ne sauve pas. Hein? Parle au nom de Jésus. Je n'ai pas la dire à toi. Hein. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Ça sauve comment? Comment dans tu dis ça sauve? Le nom puissant de Jésus. Parle. Parle. Le nom puissant de Jésus. Ça sauve pour ceux qui veulent passer en enfer. Le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas encore fini mes questions. Tu entends là-bas. Dis-moi, l'église catholique, tu es à la base ou tu n'es pas à la base? À l'église catholique. Parle. L'église catholique est ton siège. Est ton siège. Alors tu as pris beaucoup de personnes là-bas. Pourquoi tu ne libères pas, les cœurs pour qu'ils aillent chez Dieu? Ils t'appartiennent. Alors tu sais que c'est le réveil. Et ils vont sortir de ta confrérie de sorcellerie. Ils vont sortir. Maintenant, sois au nom de Jésus. Libère sa vie. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 21. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare de toi, toi Lucifer, toi l'homme à la culotte noire. Ils sont quatre. La Bible dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Au nom de Jésus. Jésus. Comme la balle enlevée par le tourbillon. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Job, chapitre 20 également, à partir du verset 12, la Bible dit le mal était doux à ta bouche et tu le cachais sous ta langue. Tu le savourais sans l'abandonner. Mais aujourd'hui, ta nourriture se transformera dans ton ventre. Au nom de Jésus. Ta nourriture deviendra comme un venin d'aspic. Au nom de Jésus. Et toutes les richesses que tu avais englouties, toutes les richesses du frère que tu avais englouties, tu les vomiras. Au nom de Jésus. Tu vomiras tout ce que tu as avalé, tout ce que tu as... Au nom de Jésus. Tu avais englouti des richesses.
Tu les avais engloutis. Tu les vomiras. 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 Enlève la colère que tu as mis dans ton cœur. Enlève la colère. Au nom de Jésus. Enlève-les. Qu'est-ce que tu as mis encore dans son cœur? Enlève. Enlève. Non puissant tu as mis la convoitise. Enlève 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 l'impurité. Enlève le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même ce qu'on n'a pas cité. Enlève-les. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as mis sur lui. Tu enlèves tous les bracelets. Allez. Tu enlèves les bracelets. Les colliers, les chaînes. Enlève les bagues, tout. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Enlève. Oui. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Enlève tout. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève tout. Le voile d'incrédulité. Tu déchires. Tu déchires ce voile. Tu déchires ce voile. Tu déchires ce voile. Au nom de Jésus. Enlève. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, allez, va chercher sa bénédiction que tu as pris. Tu as pris sa bénédiction. Va chercher sa bénédiction. Dépêche-toi. Cherche sa bénédiction. Tout ce que tu avais caché, tu creuses et tu le prends, tu lui donnes. Donne-lui. Allez. Creuse, allez. Creuse et donne-lui au nom de Jésus. Allez, les deux mains. Les deux mains, les deux mains. Dans le nom de Jésus. Les deux mains, allez. Il y a un feu maintenant qui te consume. Au nom de Jésus. Creuse. Un feu te consume. Creuse. Allez, ramasse. Un feu te consume. Creuse. Allez. Tu ramasses tout ce que tu as volé. Ramasse. Tu ramasses. Tu n'as pas encore ramassé. Restitues. Ramasse. Qu'est-ce que tu es en train de prendre là? Non, 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 tu prends ça, c'est quoi? Tu es en train de prendre quoi? Bénédiction. Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction, le nom? C'est de quelle bénédiction il s'agit? Travail. Son travail. Travail. Allez, prends. Prends. Prends son travail. Mets sur sa frontalière. Mets dessus. Dans le sang de Jésus. Allez, va prendre ce qu'il y a là-bas encore comme bénédiction. Prends. Ton mariage. Prends son mariage. Allez, creuse. Va chercher. Au nom de Jésus. Va chercher. Va chercher son mariage. Gorille. Allez, tu vois. Le dragon. Va chercher son mariage. Où tu as mis? Où tu as mis? Va chercher. Ne nous fais pas promener. Je prends son mariage. Creuse, creuse. Prends, prends, prends. Prends. Dépose. Seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le qu'est-ce qu'il reste encore? Tout ce qu'il reste pour prendre son voyage. Prends, prends. Prends. Allez. Ne nous faites pas promener. Prends vite. Prends toutes ces bénédictions. Prends. Allez, serre. Ça, attends, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi tu as pris? Quoi t'as pris là? Son travail. Son travail. Tu as déjà pris travail. Renouvelé. Amène le feu sur toi. Invoquons le feu. Invoquons le feu. La parole de Dieu est une paix à double tranchant. Va chez nous. Dieu est un feu dévorant. Et il s'est passé glaive qui châtie tout cher. Maintenant, va prendre. Sinon, au nom de Jésus, c'est le feu qui va descendre sur toi. Va prendre. Toujours ce travail. Tu as caché encore. Va prendre. Prends tout. Allez. Prends tout. Tu as pris sa finance aussi. Allez, prends. Tout ce que tu as volé dans sa vie, tu ramasses. Tu me les prends. Ça, c'est quoi? Mariage. Mariage. Prends. Tu prends son mariage. Tu prends son mariage. Allez. Tu prends son mariage. Allez. Allez. Tu le prends. Au nom de allez, Jésus. Au nom là, de Jésus. C'est le sang de Jésus. De Jésus. Maintenant, tu as pris sa vie de consécration. Sa vie de consécration. Sa vie de prière. Il n'arrive pas à méditer. Va prendre sa vie de prière. Allez. Sa vie de prière, prends. Allez. Prends dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Prends sa vie de méditation. Sa vie de méditation. Prends sa vie de méditation. Allez. Allez, 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 allez. Prends. Selon au nom de Jésus. Maintenant, va encore prendre sa vie d'obéissance. L'obéissance que tu as pris. Prends l'obéissance. L'obéissance. Prise. Prends. Prends. Allez. Prends au nom de Jésus sa vie d'obéissance. Dans le nom puissant de Jésus. Selon dans le sang de Jésus. Maintenant. Il est dans une église où femme dirige, femme prêche. Qu'est-ce que toi tu dis? Parle Lucifer. Parle au nom de Jésus. Tu parles pas. Quand femme prêche, quand femme dirige, là, qu'est-ce qui arrive? Parle au nom de Jésus, allez! Nous allons invoquer le feu. Parle. Quand femme dirige, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Tu dis quoi? Parle au nom de Jésus. Parle, 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 parle.
Par le nom de Jésus. Là, tu ne ferais pas tes menaces là. J'ai un plaisantin. Dans le nom puissant de Jésus. C'est un plaisantin. Nous allons trancher sa main. Au nom de Jésus. Nous saisissons le fer du canal. Le fer du canal. Nous le plongeons dans le sang de Jésus. Et nous coupons ta main. Nous coupons ta main. Nous brisons. Allez, parle ma Jésus. Parle. Au nom de Jésus. Quand femme dirige, qu'est-ce qui arrive? Quand femme dirige l'église, quand femme prêche, quand femme enseigne, tu ne parles pas, nous allons te faire boire le sang de Jésus. Et tu vas devenir amer dans tout ton corps. Et ça va te détruire. Bois le sang de Jésus. Parle au nom de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toi, dragon, toi le serpent ancien, tu fléchiras genoux devant le Seigneur. Parce que la Bible déclare également dans le livre d'Ésaïe 45. Il dit, je le jure par moi-même. Oui, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Vous prosternerez au devant de moi. Amen. Toi, serpent ancien, tu te prosterneras devant le nom de Jésus. Tu fléchiras genoux devant le Seigneur Dieu. Tu fléchiras genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en ce jour maintenant, nous déclarons au nom de Jésus toutes les questions que nous te posons, tu les réponds. Si une femme prêche dans une église, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que ta langue confesse la question que nous te posons, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous te posons. Quand une femme dirige, une femme enseigne, qu'est-ce qui arrive? Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? C'est Jézabel qui dirige? Qu'est-ce qui arrive? Allez, parle! C'est Jézabel? Selon le livre de Exode chapitre 9, le verset 27. Il tomba de la grêle et le feu se mêla avec la grêle. Au nom de Jésus. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de sang dans tout le pays de l'Égypte. Au nom de Jésus. 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 Des grains de feu. Maintenant nous ordonnons que les eaux reviennent sur toi. Amen. Que les eaux reviennent sur toi. Les eaux reviennent sur toi. Les eaux se submergent. 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 Les eaux reviennent. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Amen. Dans le nom de Jésus, maintenant parle. Lorsqu'une femme dirige dans une église,
Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Parle. Ça te fait rire. Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? Parle. Parle au nom de Jésus. Lucifer, parle. Parle au nom de Qu'est-ce Jésus. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une femme dirige dans une église? Je ne suis pas Lucifer. Tu es quoi? Tu es le dragon? C'est la sirène des eaux. Peu importe ton nom, c'est même famille là, c'est même groupe là. Après, c'est dragon. Maintenant, c'est la sirène. Tu as trois années. Donc, sirène des eaux, donne ton nom réellement. C'est toi la sirène des eaux, la reine de la croix, ou bien tu es une de ses servantes? Donne ton nom. Parle au nom de Jésus. C'est toi la sirène des eaux réellement, ou une de ses servantes? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Maintenant, c'est la fin de ton règne. Parce que Jésus-Christ arrive et va détruire ton royaume. Il détruit le premier ciel. Il détruit le deuxième ciel. Et va anéantir ton royaume. C'est pourquoi je saisis le Père du Saint-Esprit. Et je te pèse les feux. 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 Au nom de Jésus. Je te pèse les feux. Dis-moi, quand il s'abaisse devant toi dans les églises dites catholiques, qu'est-ce qui arrive? La gloire. Plus on va donc. Plus ma puissance augmente. Plus j'adore, plus ta puissance augmente. Maintenant, ces prêtres-là qui ne se marient pas, est-ce qu'ils vivent la sainteté? Ils couchent avec moi. Ils couchent avec toi. Physiquement, tu viens physiquement ou spirituellement coucher avec eux? Spirituellement, tu couches avec eux. Au nom de Jésus. Toi, démon, la voix de la reine du ciel n'est pas ainsi. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es pas la reine du ciel. Je sais que tu n'es pas la reine du ciel. Parce que la reine du ciel, elle a une voix très mince. Et nous connaissons la voix de la reine du ciel. Toi, qui es-tu? Toi, démon, qui es-tu? Qui es-tu? Hey! Qui es-tu? Qui es-tu? Azazel, qui es-tu? Azazel, donne définitivement ton identité. Azazel, c'est qui? C'est une sirène? C'est un démon des bois sacrés, des eaux. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Elle, c'est pas elle. Allez, donne ton vrai, ton identité. Ta vraie identité. Dans le nom de Jésus, là. Prison, ton nom est Azazel. Tu es l'ange déchu, n'est-ce pas? C'est toi l'ange déchu. Je suis Azazel. C'est toi l'ange déchu. Oui. Maintenant, quelle est ta mission dans ce corps? La destruction. La destruction. Tu ne peux pas le détruire. Tout à l'heure, tu étais en train de nous distraire en donnant de différents noms avec tes collaborateurs. Ceux même avec qui tu n'es pas actuellement. C'est leur nom que tu prends pour donner. Pourtant, tu te caches. Toi, ange déchu. Le mensonge était doux à ta bouche. Tu gardais le mal sur ton palais. Regarde maintenant ce que l'Éternel fait de toi. Tu étais venu contre le frère Fofana par un seul chemin. Mais aujourd'hui, puisque le frère Fofana, l'Éternel est pour le frère Fofana, lui, il est comme un marteau qui brise le cavalier, qui brise la monture du cavalier. Maintenant, tu es brisé. Au nom de Jésus. Tu es brisé. Toi, ange déchu, tu te croyais fort. Mais regarde, le Seigneur Dieu de toute gloire, il a paru et il a brisé toutes tes œuvres.
tes yeux de colère que tu avais manifesté depuis le ciel. La Bible dit, je regardais, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Toi, tes yeux de colère, tes yeux de colère, tes yeux de colère. Nous prisons 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 tes yeux de colère. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les nations m'environnent et moi maintenant, je les taille en pièces. Je les taille. Nous saisissons l'épée. Nous saisissons l'épée. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Jésus. Et nous te taillons. 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 Nous saisissons maintenant le chavelot du Saint-Esprit. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous te pressons le cœur. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est un feu dévorant. Feu. Pour un autre, c'est Lucifer de lui-même. C'est Lucifer, ils sont quatre. C'est le même, dans la même famille. C'est Lucifer de lui-même. Lucifer, c'est lui que les maîtres. Lucifer, c'est toi. Se change, mais c'est lui-même. Lucifer, c'est toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Pas maintenant. Qui es-tu? Je suis la sirène. Il se change. Lucifer est rentré. L'autre aussi s'est présenté. C'est pourquoi le frère n'arrivait pas à dormir. Viens bouger lui là, pour qu'il retourne dans l'islam. Aujourd'hui, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quel que soit, parle au nom de Jésus. C'est la paix en partie là-bas. Venez en travailler. Qu'est-ce que ça va bien. Je crois bien. Voilà, je me fais des trucs comme si je prenais ma mère. Elle ne le connaît pas. Oui, maman, tu as oublié une chose.
Vous avez qu'à prier. Qu'est-ce que j'ai ressenti pour que vous priez pour toi? Manifestation. Comment? Il y a plusieurs démons. Tu le voyais? Tu sentais? Tu sens quoi? Seigneur notre Dieu, notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Toi le Dieu de toute chair, le Dieu de tout esprit, le Dieu de toute l'homme, le Dieu de toute chair. C'est toi qui es venu dans ce monde. C'est toi qui as vécu, Seigneur. Envoie le saut, envoie le saut. C'est toi qui as vécu, Seigneur Jésus-Christ. Toute l'armée, nous des anges déchus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur. Nous déclarons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que cette boule qui a sa gorge. Sorte que cette maintenant. Boule maintenant sorte. Que cette boule sorte. Amen. Que cette boule sorte. Amen. Que cette boule sorte. Au nom de 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 Jésus. Que cette boule sorte. Au nom de cette boule sorte. Au nom de cette boule sorte. Allez. Au nom de cette boule sorte. Ça remonte. Au nom puissant de Jésus. Ça remonte. Ça remonte. Éternel mon Dieu. Ça remonte, c'est dans ta parole, dans l'île de Matthieu, allez, chapitre 15. Ta sémence, vomis ta sémence, allez, vomis ta dans l'île de Matthieu, chapitre 15. Vomis ta sémence. Le verset 13. Seigneur, tu as vomis dit. Ta sémence. Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Ta parole déclare dans ce verset. Oui, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous déclarons maintenant que dans la vie de notre frère, Seigneur, nous arrachons toutes les plantes que l'ennemi avait plantées. Amen. Nous arrachons ces plantes. Au nom de nous Jésus. Les arrachons, nous. Au nom de Jésus. Nous les arrachons. Au nom de Jésus. 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 Les arrachons. Allez, arrache-les. Au nom de Jésus. Arrache-les. 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 Arrache-tout. Les arrachons. Arrache-tout. Les arrachons. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus. Arrache-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrache-les. Allez, 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 allez. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait mis en lui. Seigneur, arrache le nom de Jésus. Seigneur, depuis son règne, partout, Seigneur, tout. Que tout cela soit arraché. 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 Tout cela soit arraché. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Père. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont mis. Que tout cela soit arraché. 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 Dans le nom de Jésus. Éternel. Nous plongeons nos mains dans le sang de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous saisissons son cordon ombilical. Amen. Nous saisissons le cordon ombilical. Amen. Éternel, notre roi, nous le saisissons. Nous le tirons. 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 Nous le coupons maintenant. Nous le jetons dans les abysses. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, éternel. Seigneur, roi des cieux et de la terre, feu. Maintenant, nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Depuis ses entrailles, toi, esprit impur, nous mettons le feu à tes réserves. Nous mettons le feu à tes réserves. Le feu à tes réserves. Le feu. 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 Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui es-tu, toi? Le
lorsque tu allais consulter, ou bien lorsque tes parents, tu étais petit, tu ne voulais pas donner quelque chose de particulier à manger. Boire. J'ai quelque chose de particulier. Une coupe noire. Non, c'est un médicament avec qui tu vivais. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Il est revenu à lui. Maintenant, il y aura une manifestation. Et quand on prie les choses, il descend une boule. Ça n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à sortir. On va prier encore. Afin que cette boule-là remonte et qu'elle sorte définitivement. Et après, on va prendre des décrets pour annuler. Qui se tient debout sur le côté pour invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, Père, c'est toi qui as dit que notre corps est le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps du frère est le temple de Dieu. Tu as dit que tu répandras de ton esprit sur qui tu cherches. Nos fils et nos filles prophétisent. Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant. Que ton Saint-Esprit descende dans ce temple. Que ton Saint-Esprit descende dans ce temple. Que ton Saint-Esprit descende dans le nom de Jésus. Ton esprit descend dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend dans le nom de Jésus. Père, remplis-le. Remplis-le. Tu es là, parle au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. 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 Feu. Le feu descend. Le feu descend. Au nom de Jésus. Le feu descend au nom de Jésus. Le feu descend au nom de Jésus. Le feu descend au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Selon ce que la Bible déclare. Selon ce que la Bible déclare. Dans le livre de Jérémie, c'est copié. Il a dit, l'Éternel a été pour nous un marteau. Amen. L'Éternel est pour nous un marteau. Au nom de Jésus. Par lui, Fofana brise maintenant cette boule. Au nom de Jésus. Par l'Éternel, Fofana brise. Au nom de Jésus. Par l'Éternel, Fofana brise. Au nom de Jésus. Cette boule est brisée. Au nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2. La Bible dit très clairement que le Seigneur Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Par son sacrifice qu'il a fait à la croix. À cause de ce sacrifice. Tout genou fléchira dans les cieux. Amen. Tout genou fléchira sur la Amen. Terre. Amen. Tout genou fléchira sous la Au terre. Au nom de Jésus. Même dans les profondeurs de la terre. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Quoi nous déclarons maintenant Au nom de dans Jésus. Le nom puissant de Au Jésus. Nom de Jésus. Quel que soit ce avec quoi Fofana s'était lavé.
quel que soit ce qu'il a bu. Mais aujourd'hui même, le Seigneur Jésus-Christ tend sa main. Le Seigneur Jésus tend sa main. Et la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. De la même manière que la main de l'Éternel a fait rougir le fils de Nebuchadnezzar. Nous déclarons maintenant que cette main de l'Éternel pénètre dans son corps. La main de l'Éternel pénètre dans son corps. Nous saisissons au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il suscitait contre nous. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, par son sang coulé à la croix, nous effaçons la main. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous effaçons cette main et nous jetons dans la Bible. Au nom de Jésus. Nous plongeons notre main dans le sang de Jésus et nous écrivons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, les ordonnances. Toutes les ordonnances qui condamnaient le frère, maintenant même. Au nom de Jésus. Nous prenons l'acte. Regarde. Au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances condamnent le frère, voici ces actes-là. Vous allez tous citer. Regarde. Fétiche, maraboutage. Voici ce ça, qui est là. Quels sont les actes qui le condamnent? Quels sont les actes qui le condamnent? Allez, citer. Cite-les au nom de Jésus. Tu parles au nom de Jésus. Quels sont les actes qui condamnent le frère Fofana? Le frère Fofana que condamnait. Nous déchirons au nom de Jésus. Quels sont les actes qui condamnent? L'adoration des sirènes des eaux. Nous déchirons au nom de Jésus. Quels sont les actes encore? Maraboutage, nous déchirons au nom de Jésus. Quoi encore? Dis tout. C'est sécher. Nous déchirons au nom de Jésus. Quoi encore? Quoi? Manque de pardon. Nous déchirons au nom de Jésus. Quoi encore? Tout type de péché, nous déchirons au nom de Jésus. Nous jetons dans la vie, c'est pas encore fini. Nous prenons encore les actes qui le condamnent. Cite-les encore. Il y a quoi encore? Célibat. Nous déchirons au nom de Jésus. Malédiction. Nous déchirons au nom de Jésus. Quoi encore? Dis tout. Manque de prière, nous déchirons au nom de Jésus. Quoi encore? Manque de méditation, nous déchirons au nom de Jésus. Quels sont encore? Parle au nom de Jésus. Parle. C'est tout. Nous déchirons tous les autres péchés. C'est semence. Allez, va prendre ces semences. Allez. Et puis, garde à toi. Si tu nous distrais. Prends ces semences. Si tu nous distrais. Je te suis de prendre. Allez, dépêche-toi. Prends-les. Qu'est-ce que tu as pris? Je ne crois pas. C'est faux. Menteur. Va prendre. Prends, c'est pas allé. Les deux mains. Prends, allez, creuse. Voilà, creuse, allez. Pierre, faut pas
Allez, prends, ramasse-les. C'est 7 étoiles. Va les chercher. Allez. Va les chercher un à un. C'est 7 étoiles. Allez. Nous les scellons dans le sang de Jésus. Va chercher le deuxième. Va chercher. Allez. Deuxième, la deuxième étoile. Chris. Le sang de Jésus. Va chercher le troisième. Allez. Chris. Oui. Bon, elle voulait faire un entretien, on ne sait pas d'abord, mais. C'est là au nom de Jésus. Jésus. La vivance est bon, donc elle va faire... Le quatrième. Le quatrième. Va chercher le quatrième. Le quatrième. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Va chercher le cinquième. Le cinquième, allez. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Va chercher le sixième. C'est pas encore fini. Va chercher. Allez. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Va chercher le septième. Allez, dépêche-toi, on va mettre des bêtises là. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Maintenant, vous avez mis son âme. Il a mis son âme. Vous avez mis son âme où? Va chercher. Va chercher. Cherche son âme. Va prendre son âme. Que son âme retourne dans son enveloppe corporelle. Prends son âme. Allez, prends son âme. Prends son âme, prends son âme. Nous la serons. Allez. Prends son âme, prends son âme. Que son âme retourne dans son enveloppe corporelle. Allez. Ça, ce n'est pas prendre l'âme de quelqu'un. Au nom de Jésus. Ça, c'est pas l'âme. Va prendre son âme. Pour pas nous distraire. Va chercher son âme. La prison n'est pas encore ouverte. La prison n'est pas. Où vous avez mis même? Tu as mis ça où? Tu as mis ça où? Pour parler, parle d'abord. Tu as mis son âme où? Sous les eaux. Tu es sûr que c'est sous les eaux? Tu es parti chercher son âme là? Va me chercher son âme. Ouvre la prison où tu as caché. La prison. Ouvre et cherche son âme. Dans le nom puissant de Jésus. Là où ta tête là où ta dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Allez, où? Passez. Allez. Dans le nom puissant de Jésus. Appelle-le par son nom. Appelle par son nom. Appelle son âme par son nom. Appelle son âme par son nom afin qu'il vienne. Appelle-le par le nom de Jésus. Appelle. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus a arrêté devant le tombeau de Lazare. Il a crié Lazare, sors! Et si toi également, dis le nom, afin qu'il sorte du tombeau. Au nom de Jésus. Yeah! Ça, c'est quoi? Yeah, c'est quoi? Paul! Allez, dépêche-toi. Appelle-le! Appelle. Sors d'où? Dans le nom puissant de Jésus. Il sort d'où? Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il sort de là. Maintenant, nous ordonnons au nom de Jésus. Nous ordonnons dans le nom puissant de Jésus. Que l'âme de Yahya sort de là. Yahya sort au nom de Jésus. Yahya sort au nom de Jésus. Maintenant, tu rentres. Tu reçois ton âme. 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 Qu'est-ce qui reste? C'est tout.
Maintenant, ok, sors maintenant. Maintenant, tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Vous avez effacé la marque. On a effacé la marque. Tu sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Maintenant, sors. Sors. Qu'est-ce que vous avez mis encore sur lui encore? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste sur lui? Est-ce que vous avez tué les enfants de la sirène? On n'a pas encore tué. Au nom de Jésus. Maintenant, ils ont eu sept enfants. Elle a cité tous ces sept. C'est pourquoi nous allumons la machine broyeur. Nous allumons cette machine maintenant. Boum. Et nous ramassons tous ces sept enfants. Un, nous les déposons dans la maison. Deux, nous déposons dans la maison. Trois, nous déposons dans la maison. Quatre, nous déposons dans la maison. Cinq, nous déposons dans la maison. Six, nous déposons dans la maison. Sept, nous déposons dans la maison. Nous allumons la machine. Non, c'est la broyeur maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, s'il y a un autre esprit qui reste, tu remontes, tu te manifestes. Au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui est encore là, tu te manifestes au maintenant. Au nom de Jésus. Nous te convoquons au jugement. Au nom de Jésus. Sois esprit impur qui est encore dans ce corps. Nous te convoquons au jugement. Nous te convoquons au jugement. Sois esprit impur qui est rentré illégalement dans le corps de notre frère Yaya. Nous déclarons maintenant, nous te convoquons. Si tu es encore dans ce corps, tu te manifestes. Que tout esprit qui est encore dans ce corps se manifeste. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est encore, qui réside encore dans ce corps se manifeste. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré au nom de Jésus. Et que sa prière passe pour un péché. Au nom de Jésus. Soit peu nombreux. Qu'un autre prenne sa place. Que ses enfants deviennent orphelins. Au nom de Jésus. Veuve, au nom de Jésus. C'est quoi maintenant tous tes héritages, tout ce que tu as déposé en lui comme héritage. Maintenant, même s'il y en a, sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus. Prends tes héritages et sors. Au nom de Jésus. Créateur. Au nom de Jésus. Et qu'un église créatien s'empare de tout tes biens. Au nom de Jésus. Un créatien s'empare de tout tes biens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un étranger travaille ton champ et qui ramasse tous tes biens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et qu'il nul ne confesse pour toi de pitié. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors maintenant. Tout ce qui reste dans son corps. Vous sortez comme par le sommet, comme le sommet. Vous sortez par le baillement. La douleur. Vous n'arrivez pas par le baillement. Sortez, le marteau du Saint-Esprit. Et je prie sa boue. Tout esprit de sorcellerie, esprit de Allah, qui venait troubler son sa nuit,
et qui tentait de mettre fin à sa vie, nous déclarons aujourd'hui la vie de Yahya est scellée dans le sang de Jésus. La vie de Yahya est scellée dans le sang de Jésus. Sa vie est scellée dans le sang de Jésus. Sa vie est scellée. 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 Sa vie Autour de lui, le sang de Jésus, Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yaya, c'est toi. Le Seigneur a délivré de plusieurs choses, des choses qui sont sorties de toi en grande quantité. Par l'émotion, toutes ces choses-là sont sorties. Alléluia. 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 Comme le Seigneur Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Parce que quand tu vas et tu pêches, c'est vraiment la vérité en grand nombre. Après, on va invoquer l'esprit de Dieu. C'est quand tu vas revenir, tu vas partir sur mon page là-bas. Puis tu vas regarder la visite de ce que l'esprit a dit pour coucher ta vie. Raison pour laquelle cette raison, ces causes-là, ils sont venus dans ta vie. Comment toi-même tu as été dedans et qu'ils sont venus dans ta vie. On va partir là-bas, tu vas tout écouter. Amen. Ok, il faut te tenir de Dieu. Tu vas faire le Saint-Esprit. Tu vas faire le baptême. Amable de Jésus, tout à vous d'avoir face à votre tête. Jésus, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Parce que la Bible nous dit que lorsque un esprit impur sort du corps de quelqu'un, il va errer dans les lieux arides. Et lorsqu'il vient, il vient consulter encore et revoir sur l'endroit où il est sorti. Quand il vient, qu'il ne trouve pas quelque chose dans la maison, que la maison est bien ordonnée, il s'en va chercher sept autres démons plus puissants que lui pouvait nous posséder. C'est pourquoi lorsque ce temps est fini, nous allons demander au Seigneur de venir remplir ton âme de son esprit, afin que le Saint-Esprit puisse désormais occuper ta vie, pour que les démons ne puissent plus jamais venir dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Seigneur notre Dieu,
Moi, je vous baptise d'eau. Vous vous amenez à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors maintenant, même ta parole soit accomplie dans la vie de ton fils Yaya. Que ta parole soit accomplie. Que le feu descende. Que l'Esprit de Dieu descende. Seigneur, tu es le commencement et la fin, Seigneur. C'est toi qui créas tout, Seigneur. En ce matin, Seigneur Jésus, je viens te dire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me remplis par ta puissance, Seigneur. Je me remplis par ta puissance, Seigneur. Je me remplis par ton onction, Seigneur Jésus. Je me remplis par ton feu de bois, Seigneur Jésus. Je me fais sortir, Seigneur Jésus, ton fils, Seigneur Jésus. Je me remplis, Seigneur, ton feu de bois, Seigneur. Que tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Qui puisse demander ta royauté, qui puisse demander des Seigneurs, Seigneur Jésus. En ce jour, Seigneur, Seigneur. Tu as dit par ta propre bouche que Seigneur,
Tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et lorsque ton esprit sera là, Seigneur, c'est alors que nous serons différents du monde. C'est alors que le monde saura que c'est toi, lui, qui marche avec nous. Parce que, Seigneur, nous allons prophétiser. Nous allons avoir des sons. Nous allons avoir des visions. Éternel, et en plus de cela, ta parole dit que de la manière le vent souffle, oui, éternel Dieu, on ne voit pas le vent, mais on entend son bruit. Tu as dit comme si on est de celui qui naît d'esprit. Nous voulons, éternel Dieu, les amis, que notre frère naisse d'esprit aujourd'hui. Nous voulons qu'il naisse d'esprit. Au nom de Jésus, nous entendons. Alléluia. De la même manière que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Seigneur Jésus-Christ, tes disciples étaient assemblés dans la chambre haute. Et que tout le peuple qui était venu à Jérusalem, les 120 nations qui étaient venues pour adorer, ont entendu parler, ils ont entendu le bruit de ton esprit, oui, de la naissance de l'esprit, oui, de laquelle tes fils étaient nés. Seigneur, nous voulons aujourd'hui que ton fils naisse du Saint-Esprit. Nous voulons que ton fils naisse du Saint-Esprit. Nous voulons que ton fils naisse du Saint-Esprit. Seigneur, car tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean, Père éternel, tu as dit, oui, Seigneur, que si deux ou trois s'accrochent sur la terre pour demander quelque chose en ton nom, alléluia. Seigneur, toi, tu l'accompliras. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus que deux. Amen. Nous sommes plus que trois. Amen. Et nous te demandons, Seigneur, de venir baptiser notre Saint-Esprit. 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 De venir le baptiser. Baptise-le. 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 Baptise-le le feu. 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 Mais Seigneur, Jésus-Christ, nous te prions. Nous allons imposer la main à notre frère. Seigneur notre Dieu, que par notre imposition des mains, que notre frère reçoive puissamment le Saint-Esprit. Et que l'Esprit ne le quitte plus jamais. Que le Saint-Esprit ne le quitte plus jamais. Que l'Esprit 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 ne le quitte plus jamais. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Seigneur, nous lui faisons porter le casque du salut. Nous mettons à son torse la cuirasse de justice. Au nom de Jésus. Amen. Nous mettons à ses reins la ceinture de vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mettons à son rein la ceinture de vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous mettons à ses pieds les voies de feu de l'évangile. Au nom de Jésus. Les voies de feu de l'évangile. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tends ta main gauche. Dans ta main gauche. Nous mettons à ta main gauche le bouclier de la foi. Et saisis le bouclier dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ta main droite. Nous mettons à ta main droite l'épée de l'esprit. Saisis l'épée dans le nom de Jésus. Maintenant, tu atterris sur l'autel de la colère. Nom de Jésus. Tu atterris sur l'autel de la colère. Nom de Jésus. Tu atterris sur l'autel de la colère. Nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu brises la colère. 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 Au nom de Jésus. Tu atterris sur l'autel de la sirène des eaux. Prise le nom de Jésus.
fontaine de l'impuricité. Au nom puissant de Jésus. Et tu le brises. Tu brises l'impuricité. Tu brises. Tu brises. Tu brises. Tu brises. Au nom de Jésus. Tu atterris maintenant sur l'autel la femme de lui. La femme de lui. Au nom de Jésus. Tu la brises. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, nous te prions. Nous te confions la vie de ton fils, Seigneur. Ceux qui sortaient contre lui par un seul chemin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que maintenant, puisque le bouclier est entre ses mains, Jésus-Christ, selon le livre de Éphésiens, Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6. Seigneur Jésus-Christ, il a revêtu toutes tes âmes. Et tu as dit que tes âmes là sont puissantes par tes vertus. Que le Saint-Esprit produise en lui les vertus de Dieu. Que le Saint-Esprit produise en lui les vertus de Dieu. Au nom de Jésus. Afin que ses âmes soient puissantes. Au nom de ses Jésus. Âmes soient puissantes. Au nom de ses Jésus. Âmes soient puissantes. Au nom de ses Jésus. Âmes soient puissantes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous le scellons maintenant dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous scellons sa vie dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous scellons sa vie dans le sang de Jésus. Nous scellons sa vie dans le sang de Jésus. Nous scellons sa vie dans le sang de Jésus. Nous scellons sa vie dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, que la bénédiction qui sont dans les livres de Deutéronome chapitre 28. Descends sur toi maintenant au nom de Jésus. Descends sur ta vie au nom de Jésus. Que le cri des cieux s'ouvre maintenant. Que Dieu ouvre le cri des cieux. Là où Seigneur, oui, tu as perdu le temps. L'ennemi t'a bloqué dans toutes ces choses maintenant que tu es dégagé. Que Dieu maintenant descend toutes ces bénédictions. Descends toutes ces bénédictions. Que Dieu ouvre le cri des cieux. Que le mariage descende dans ta vie. Que la bénédiction descende dans ta vie. Que tes étoiles brillent maintenant. Que le voyage ne soit pas maintenant. Que le voyage ne soit accompli maintenant. Là où on ne peut pas rentrer. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, de ce que tu le couvres de tout maintenant, de la gloire et l'honneur qui reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici nos frères qui est là, qui était vraiment, qui était très loin et qui venait arriver parmi nous. Vraiment, vous voyez un peu, c'est pour dire que quoi? Ce n'est pas du jeu. Quand on dit venez en faire votre délivrance pour aller au paradis, ne veut pas s'en du jeu. Vous voyez un peu ce frère. L'ennemi voulait détruire sa vie, voulait nuire sa vie. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Je dis quoi? Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom de Jésus et délivrez-les. Alléluia. Donc mon frère, toi qui me regarde. Ne te laisse pas, ne laisse pas chez toi à la maison pour en juger. Viens, viens et vois ce que le Seigneur veut faire pour toi. Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.